Si tu cherches des crédits FIFA 17 pas chers, je te conseille d'aller sur IGVote, 6% de réduction avec le code Robert87000 et de façon illimitée. Et si tu cherches des cartes Xbox ou PlayStation pas chers, je te conseille d'aller sur Instant Gaming, tous les liens sont dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un squad builder, on va parler de deux choses. On va parler d'une petite équipe, vraiment low cost, l'équipe ultime j'ai dû appeler ça, parce que vraiment elle est très belle, surtout pour le peu de crédit qu'elle coûte et surtout qu'elle correspond parfaitement aux critères de ce week-end pour FUT Champion. Et je vous présenterai finalement l'équipe que j'ai dû me résoudre à faire entre guillemets, même si elle n'est pas complètement finalisée et que c'est vous qui allez la finaliser. Je vais suivre vos commentaires, etc. Parce que tout simplement, on va regarder ça tout de suite, c'est que je n'avais pas fait attention avec toutes les équipes que je vous ai proposées. Et bien, c'est qu'il y a ça cette semaine, nombre de nationalités max 3, et donc il n'y a aucune équipe que je vous ai présentée qui correspondait à ces critères, et à chaque fois c'est un peu compliqué. Donc je vous montrerai en fin de vidéo l'équipe que je vais utiliser pour FUT Champion. Et c'est à vous de la terminer entre guillemets. Je vais vous expliquer un peu tout ça. En tout cas je vous présente tout de suite une petite équipe qui risque beaucoup vous plaire. Moi elle m'a fait kiffer. Dans les buts, alors il y a un peu de tout, hein. Il faut 3 nationalités. Dans les buts ça me fait plaisir de l'utiliser. C'est Casillas, donc seulement 1200 crédits. Franchement il a ses stats de 20 ans, 85 de plongeon, 86 de réflexe, 80 de positionnement, ce qui n'est pas dégueu. Et surtout 65 de vitesse. Ils ont pas pensé à baisser un peu quand même sa vitesse. C'est quand même quasiment l'un des gardiens les plus rapides du jeu. Donc vraiment faites-vous plaisir avec Casillas. Il a 82 mais c'est comme s'il avait une note à, allez, 85 ou 86. A droite ça va être De Marcos, hein. Vous me l'avez complètement réhabilité au moment où j'avais fait ma petite équipe de Liga. J'avais mis Vidal et au final vous m'avez convaincu de retester De Marcos. Et c'est vrai qu'il est supérieur, c'est vrai. Donc des fois, hein, c'est pour ça, hein, je vous écoute à chaque fois. Au milieu, vous la connaissiez sûrement pas cette petite carte, Ximo à Navarro, 81 vitesse. Le gars il va à 81, tranquille, 81 vitesse, il va plus vite que Boateng, plus vite que plein de défenseurs. C'est quasiment un des défenseurs les plus rapides. 77 de physique, 67 de défense. C'est juste monstrueux. Il est en Liga 2, hein, en deuxième division espagnole. Vraiment une très belle carte. Vous allez la kiffer, vous allez la kiffer, je vous le dis d'avance. Bartra à côté de lui. On voit ses stats, on dit ouais c'est pas mal, mais 69 de physique dans le jeu où la physique est si importante, tu t'en fous. T'as ton copain à côté là, le Ximo qui va très vite, qui est plutôt physique. Bartra, il est toujours bien positionné. Les interceptions, on sent les 84 de défense. Le gars, il est toujours bien placé. Ça fait plaisir d'avoir un défenseur comme ça. Il est jamais pris, il est jamais pris, il est toujours derrière son attaquant. Toujours bien placé, toujours à mettre le pied. Vraiment une très belle carte. À côté c'est Guerrero, ça va vite, c'est plutôt bon partout, ça manque juste un peu de physique, mais au final on arrive à quand même à faire des choses sympas, il coûte que 600 crédits. Au milieu de terrain, Thiago, une des cartes que je préfère cette année, c'est vrai que je vous ai pas montré beaucoup d'équipes avec lui, mais à chaque fois que je joue en draft, je suis obligé de le prendre. Dès qu'il y a Thiago, je suis obligé, il me fait plaisir, il a marqué un but sur les deux matchs, et vraiment avec ses 5 de gestes techniques, une carte exceptionnelle. 72 de vitesse, on a l'impression qu'il a plus sur le terrain, je trouve. À côté de lui, j'ai mis Guilavogui. Peut-être que c'est une carte que vous connaissez pas forcément, mais Guilavogui, il est pas mauvais partout. Il a 81 de physique, 82 de défense, 70 de vitesse, 66 de passe, qui n'est quand même pas ridicule. Et vu qu'il est quand même au milieu en général, il est un peu en retrait par rapport aux deux autres MC en 4-3-2-1. Vraiment une très belle carte. Renato Sanchez, on ne revient pas dessus. C'est le joueur ultime de ce FIFA. 82 de vitesse, 84 de physique. Moi, je l'adore. Voilà, j'ai revendu l'autre, mais vraiment, celui-là, je l'ai racheté là. C'est juste un monstre pour 4500 crédits. Dembélé à droite, que je réhabilite aussi, parce que j'avais eu un peu de mal au début. Et il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir les dernières fois que j'ai fait. En plus, il a flair, donc on peut faire des coups du foulard, des choses comme ça. Juste pour le skill, tu vois, juste pour s'amuser. Je l'aime bien, le petit Dembélé. Il a marqué un petit but sur les deux matchs. Il a plutôt été très bon également. Coman, oh là, on ne revient pas dessus. 93 de vitesse, ça va. À 3000, c'est bon partout. Il y a juste un peu la finition des fois, mon chéri. Ça serait bien quand même de cadrer un peu plus. Et devant, Ben Yedder, pareil, on revient pas dessus, j'en ai parlé mille fois, 83 de vitesse, 4 de gestes techniques, 5 de mauvais pieds. Et lui, la finition, lui loupe pas, lui Ben Yedder, c'est au fond, hein, d'accord, c'est vraiment très bon. Et donc on correspond parfaitement aux critères avec seulement max 3 nationalités, donc il y a de l'espagnol, il y a du portugais et il y a du français, vraiment une équipe plus que sympa à constituer, qui ne coûte rien, qui coûte moins de 20 000 crédits.
que ce soit sur PS4 ou sur Xbox One. Vraiment une très belle équipe. J'espère que vous allez la faire vous amuser. On passe tout de suite à l'équipe que moi je vais utiliser. Donc voilà, l'équipe que je vais utiliser, c'est que des joueurs que j'avais en train d'être relistés. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas les utiliser. Je les ai achetés pas cher lundi ou des fois mardi soir. Je crois que c'était la deuxième fois que j'ai investi. Et je me suis dit, pourquoi pas les garder, hein. J'ai du Neuer à seulement à 193 000, il doit en coûter 200 000. J'ai du Boateng à 179 000. Il y en a au moins aucun, je pense, au-dessous de 188, 189. Voilà, des joueurs sympas, j'ai du Alaba. J'ai pris Vogt en défense, hein, parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Là, il y a, évidemment, je peux pas faire autrement, hein, parce que Renato est notre ami Alaba. Je peux très bien mettre, par exemple, un Vidal. Je pensais mettre, pourquoi pas, un petit Vidal à la place. Ou pourquoi pas mettre un Toni Kroos ici et faire comme ça par exemple. Ça peut être quelque chose d'intéressant également. En tout cas, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous voulez que j'améliore dans cette équipe. Voilà, on a en tout cas dans les joueurs qu'on peut utiliser, on a vraiment Neuer, on a vraiment notre ami Boateng, on a Alaba, on a Reus. Après voilà, les autres, je peux les remettre en vente, hein, c'est pas un problème, n'hésitez pas à me dire, mais vraiment je pense que la défense centrale est pas mal. Après il me reste 1 million de crédits, est-ce qu'on n'essaye pas de prendre Beckenbauer en défense centrale? Pourquoi pas, autant tester une des meilleures légendes du jeu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, demain on se retrouvera pour ouvrir les packs Foot Champion et on fera quelque chose d'un peu différent je pense. En tout cas j'espère que cette vidéo avec la petite équipe vous a plu, avec ma grosse équipe, elle coûte 1 million de crédits à peu près l'équipe, vous a plu également. Je vais vous mettre juste après une petite équipe française à 200 000 crédits à peu près pour qu'il y en ait un peu pour tous les budgets, vraiment les petits, pour les moyens avec 200-250 000 crédits et pour les très gros 1 million et pour les très gros, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Robert87000. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. À chaque fois vous répondez présent en ce moment et ça me fait très plaisir, donc ça serait énorme si on pouvait dépasser les 2000 likes sur cette vidéo. Moi je vous fais des bisous à tous, c'était Robert87000, ciao les gars.